إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد يقول تبارك وتعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر الله سبحانه وتعالى Légitimement, ô Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous findons toi, Al-Kawthar, c'est une larrière, parmi ma larrière de Jannah. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit, Fasalli li rabbika, faire salat pour ton Rabb. Ensuite, il dit, Wanhar, et faire sacrifice. Mais il y a d'autres qui, dans cette ayat-là, Allah Rabbul Amin, il peut montrer nous valer de ça, des grands ibadat, un qui appelle salat, et un qui appelle faire sacrifice. Nous, étant ben, qui est un iman, ben, un doute qui nous faisait honorer sa grand ibadat, qui appelle sacrifice, qui appelle kurban. Et un bon musulman, quand ça fait la vini, quand idul adha vini, il est important pour qu'il nous participe dans sa ibadat qu'appelle Kurbani, afin que ça l'emblème de l'islam là, il reste vivant, parmi les musulmans dans sa pays là. Si tant est important, ban ulama, je finis des conseils, et n'a finalement pas plus dur, pour ne pas faire sa ibadat là devant les autres pays, mais ou faire lui dans le pays, pour que l'emblème de l'islam, il reste apparent, parmi les musulmans de sa pays-là. Cheikh Uthaymin, rahimahullah, lui dire, nous l'opinion, c'est qui sa ban, qui peut appeler ban Zimoun pour faire Kurbani en dehors aux autres pays, ban la plus proche avec PC, qui les salue. Cheikh Uthaymin, bien Dieu, même lui. Il n'est pas d'accord du tout, qui ban musulman quitte les autres pays pour faire sa ibadat-là, et je t'ai fait sa ibadat-là en dehors, je te paye. Pour montrer qui conseille un peu autant, ben, musulman, je te fais sa ibadat qui appelle Kurbani là, dans je te paye même, parce que, sa ibadat là, même qui ouvre pas bizarre la viande, ou en a beaucoup cas, ou en a, Allah se favorise le haut, ou bien, dans ou environnement, alhamdulillah, beaucoup du monde, je te à l'aise, mais il reste qui dans nos pays, encore, il y en a beaucoup du monde qui en besoin, et il n'y pas juste sunnah pour partager. Lui aussi sunna pour ou même ou manger et ou porter un proche. Alors sunna là, il divise ça. Ça veut dire une part qui vous prend. Ou capable de tout dans ce mien là, pas de problème. Ou gagne un autre aussi. Et ce qui sunna se fait, il vient en trois parts. Un pour un proche, une famille, un pour un miskin. Alors, quand vous êtes, si tout le monde prend pas, ou paye du monde pour partager, ou donne ban du monde qui est dans du monde pour partager, donne ban organisation qui est capable de ramasser tout parce que alhamdulillah, la man, frère qui finit mettre un container dans disposition qui est capable de ramasser. Alors, participe dans sa ibadat dans le pays qui fait pour garder ça l'emblème de l'islam là vivant. Alors, tout cela c'est pour montrer valer Kurbani. Mais c'est mal, il reste qui avant Kurbani. Plus fort que Kurbani. Allah Rabbul Alamin qui vient dire. L'indien façon li rabbika. Fais un salat pour ton Rabb. Ensuite, il dit, wanhar. Ensuite, te faire. Kurbani.
Alors, bien, il y en a d'autres qui pensaient, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il commence par salat, ensuite, les causes kurbani, nous finissons par en salade ibadat là, lesquels qui plient important. Comme ça, Allah Rabbi Al-Amin, il dit, qu'il y a salati, wa nusuki, wa mahyaya wa mati, lillahi rabbil alamin. Dire qui me salat, et mon nusuk, c'est mon sacrifice qu'il me fait. Et aussi, mon lavi, mon amour, tout cela pour Allah Rabbi Al-Amin. Encore une fois, Allah Rabbul Amin, les causes qui étaient salat avant Kurbani. Parce qu'il définitivement, quand nous guettons l'islam, les films donnent grand l'importance concernant sa ibadat qui appelle Kurbani là, mais c'est mal, il donne beaucoup plus d'importance concernant salat. Alors, nous guettons un petit peu différence qu'il y a entre ces ibadat là, malgré qu'ils tous les deux c'est des ibadat importants, mais il reste qui, salat, c'est déjà un pilier de l'islam, tandis que, kurbani, quand nous guettons règlement des kurbani, la majorité des ulamas dans toute l'époque, je finis dire qu'il dit sunna muakkada. Il n'est pas même obligatoire. Il dit sunna muakkada. Bien sûr qu'il parle d'un alim qui dit qu'il dit wajib, mais c'est bon, la majorité dans toute l'époque, je finis dire que c'est. Et c'est ça, l'opinion qui plie fort, il dit sunna muakkada. Mais, vous connaissez très bien, sa motivation, qui est là dans beaucoup de musulmans, surtout dans les jeunes qui payent, levé, mashallah, jour kurbani, il fit, il est plus bonheur, se goûtent bien fidèle, se laisse une parée, c'est quand même un uniforme, tout à fait. Il paraît beaucoup sans animaux. Mais seulement, là, il dit, mais il même, fajar, pas trop lui. C'est-à-dire, il y a un problème. Mais donne valer un ibadat, alhamdulillah, nous comptons, continue de le valer. Mais, Allah Rabbul Alamin, il met dans les autres ibadats qui sont beaucoup plus forts, et un parmi les différences qu'il y a dans sa déjà. Parmi, encore, salat, c'est lui qui délaisse, lui faire coufre. C'est lui qui délaisse salat, il quitte salat. C'est lui qui dit même un seul salat, ou quitter, sans aucun réseau valable, c'est coufre qui fait, parce que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, comme on nous voit pas, il généralise, il dit, فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَا. C'est lui qui quitte salat, il fait couvre ça. Combien salat, on dit, un seul salat ou quitter. Ou un écrit dans sa hadith, dans la parole de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Tandis que c'est un monde, même il y en a moyen. Il n'est pas fini de la kurbani. S'il dit, sunna muakkada, est-ce qu'il y a quelqu'un qui pèse? Pèse même, il n'est pas gagné. C'est un monde, il n'est pas participe de la kurbani, pèse même, il n'est pas gagné. Tandis que là, quand quitter, c'est couvre. Salat, c'est un ibadat qui concerne nous les corps. Nous les corps, on participe dans sa ibadat-là. Tandis que un du monde, il est capable de dormir dans la case, en souricesse, courbant, il ne veut pas faire. Combien du monde comme ça? Il quitte casse là-bas, après il passe un air, il passe, il prend sur la viande, il y aller. Les corps ne participent du tout. C'est-à-dire, ibadat salat, c'est un ibadat qui où les corps ont lancé. Humilié, dis Allah subhanahu wa ta'ala, fais effort pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis, il y a d'autres qui ibadat les corps, il y en a plus valeur qui ibadat richesse. Parce qu'il y a un dimon, il est capable, il y a richesse, et qui ne s'est pas dérangé dans rien dans son richesse quand il fait dépense sur la monnaie pour faire un kurbani. Et tandis qu'il sera là, il dit, plus effort. Ça n'a besoin de faire oiseau, besoin de préparer, besoin d'en lire, etc. Besoin de prendre compte sa ibadat là, et ou faire lire dans l'air qui faisait. Comme ça même, salat, il y a une ibadette qui personne pas pour capable faire ça pour vous. Tandis que kurbani, ou garder le kiken. C'est-à-dire, ou salat, c'est pour vous, hein. À part où, quand on peut vivre la terre, là, subhanahu wa ta'ala, à part où, personne pas pour capable faire salat pour vous. Ça, l'histoire, on appelle l'histoire. Ça, l'histoire qui m'a dit, vous raconter, dire, ben, nous fait mal, après, nous fait isaré, ça ou abla. Ça, Rasoul Sassam pas de montrer ça. Ben, sahaba, jamais fin comprend ça depuis Rasoul Sassam, et jamais je ne pratique ça pour quiqu'un. Et au contraire, bien, ben, qui soit qui Rasoul Sassam pas de faire. Ben, sahaba, pas de faire. C'est ben bida, ben innovation, qui ben d'imoun, fin inventé, qui dit pas profite d'imoun, ça. Comme ça même, cela, c'est un ibadet, qui nous fait 5 fois par jour, tous les jours. Tandis, Kurbani, une fois par an, jusqu'à un an, Idul Adha, alors, il n'est pas pareil du tout,
quand nous comparons ça déjà, comme ça même salat et un ibadat qui demande plusieurs conditions. Un jour, il y a une salat. Pas n'est-ce pas, il y a une salat, il y a une salat, il y a une salat, il y a une condition. Si vous faites la roussale, vous faites la roussale, vous faites la oiseau, vous faites la oiseau, ou linge, vous êtes propre, ou parce que vous faites la main, vous êtes propre, ou vous êtes bien dans la direction qui blague, etc. Un paquet de conditions à passer avec lui. C'est un important. Alors, si un jour, il y a une la roussale, il y a un droit de faire courbani, il y a un droit de faire courbani, il y a un droit de faire courbani. Il y a une condition concernant propreté, il y a une condition qui blague, malgré qu'il est sunna, pour vivre dans la direction qui blague, mais il y a une condition. Malgré qu'il est sunna, pour vous faire des cours de là, si vous êtes un oiseau, si vous êtes un roussa, vous êtes un oiseau, vous pouvez couper les plis, mais il y a si, qui, vous payez là. Mais c'est mal, il reste qu'il n'est pas condition. Condition veut dire, si vous payez là, il va être là par compter. Vous payez la roussa, vous faites la masse, il va être là compter. Vous payez la roussa, vous faites la courbani, ou courbani, compter. Mais si vous payez, mais il y a si vous êtes un roussa. Comme ça même, salat, c'est un ibadat, si tant il est important, Allah subhanahu wa ta'ala, où l'est, qui nous fait aller en congrégation, en jamat. Tandis que Koubani, moi tout seul, me prends mes animaux, moi donne quoi, me couplie, à cause d'Allah, correct, fini, chacun fait aller dans sa place, dans sa case, individuellement, pas pour qu'on est même, malgré qui, la majorité, ben, du monde prend, ben, des animaux qui n'ont pas de port, là, beaucoup du monde réunit, mais, ou capable, faire, ou prend, aux animaux, tout seul, ou elle donne quoi, ou fait aller, ou bien non. Mais, un monsieur, comme on le connaît bien, les besoins font la marge en jamat pour montrer, valer, ça, ça, ça arrive à être là, l'eau, Koubani. Et comme ça même, salat et un ibadat, qui a causé le masjid, finette, bâti. Alors, nous construisons le masjid pour qu'il y ait des gens réunis dans sa place, ça, pour faire la marge dans une Koubani. Pas besoin de place spéciale, n'importe quoi de ça. N'importe quoi de ça, on est capable de faire au Koubani. Alors, pour montrer, il y a plusieurs points, quoi. Encore, si un gens réfléchit, imaginez, il y a beaucoup, et non. Beaucoup même différence entre sa ibadat là, et vraiment, salat, pas capable même comparer avec sa ibadat qu'appelle salat. Koubani, pas capable comparer avec sa ibadat qu'appelle salat. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? C'est une même parole, comme un rappel, comme on nous connaît, nous dit, c'est un dîne qui base sur les rappels. Allah, Rabbul Amin, lui-même disait, wa zakir fa inna zikra, tenfa'ul mu'minin. Fait les rappels, car les rappels, les prophètes banquent l'iman. Abote par Abdullah ibn Masoud, radiallahu anhu, dit dire, mon fin demande, Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, qui action, qui plie chez Allah, qui Allah plie content. Rasul, sallallahu alayhi wa sallam, dit, as-salatu ala waqtiha. Fais un amal d'assolir. Quand on peut dire, fais un amal d'assolir, ça veut dire, fajar, dans les fajar. Pas quand le soleil, puis levé, quand où le levé, il est là, où il fait fajar. Non. Pas comme ça qu'il fajar faire. Fajar faire, dans les fajar. Zohar dans les Zohar, Asar dans les Asar, Marib dans les Marib, Esha dans les Esha, chaque namaz dans ce lien. Alors ça, c'est parmi une action qui Allah plus content. Il va nous faire Koubani, malgré qu'il Koubani, Allah content, pas content, Allah content. Mais c'est moi, Allah subhanahu wa ta'ala, il plus content quand nous faisons cela dans ce lien. Alors ça, ça ramène une bonne question. Ensuite, quelle action? Il finit de répondre, agir bien envers tes parents. Parents, pourtant. Un grand ibadat, ça agit bien avec parents, mais seulement sur la date, pas avant lui. Les j'ai dit ensuite, mais dire, plus bas là, pas fait quoi, c'est qu'il vit meilleur, ensuite c'est plus bas. Les j'ai dit, ensuite, quelle action? Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il répond, ensuite, faire djihad dans le chemin d'Allah. Djihad, un grand ibadat comme un djihad, mais seulement il reste qui soit là, beaucoup plus important qui djihad. Abordé par Oumou Salama, les dire, parmi mon dernier conseil, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mon dernier conseil, c'est, l'olil l'amour, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, pour qu'il dunya, il veut dire, as-salah, wa ma malakat aymanukum. L'in continue dire sa parole-là, jusqu'à qui, la voix n'est plus sortie, saisit son flément, l'estomac, fait encore pétain, as-salah. L'in continue dire ça, jusqu'à qui, sorou, fin kitli, fin sorti. Alors, il dit, préserve solat et assis bien, envers un esclave qui d'ajoute la main droite, jusqu'à qui, dit, tu veux faire son avec ça dans sur la poitrine et sur la langue, s'il n'est plus capable de prononcer. Alors, qui constate, traka! Rasul sallallahu alayhi wa sallam, tu veux gagner pour son oumat, il veut qu'il dounia, il veut aller lire. Ce qu'il veut dire, là, pas pour lui, ça. Il veut dire ça pour nous. Il veut gagner traka, qui veut? Parce qu'il, à cause de solat, beaucoup de monde pourront dans l'enfer. Et ça, il est clair dans le Coran, ça.
Allah subhanahu wa ta'ala pose un habitant l'enfer sa question là. Ma salakakum fi sakar. Qui sont qui viennent faire? Je tombe dans sakar. Sakar c'est un parmi ban. Place dans différents enfers. Ben là qui pour répondre? Lavnakum min al-musallin. Nous partis parmi ban qui s'y fait faire namaz. Clair, pour comprendre qui? Beaucoup du monde pourra être dans l'enfer à cause qui fait? À cause d'un kit sa grand ibadat qui a fait salat. Et comme ça même Rasoul sallallahu alayhi wa sallam les dire, première question parmi lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala vous prend compte avec ce esclave le jour du Qiyamah pour une action, c'est ce salat. Sa première question pour poser une question concernant une action qu'on fait le dunya, pour poser une question concernant le salat. Si ce salat finit dans bon état, c'est-à-dire qu'il fait ce salat bien, ça que le salat il fait bien comme un besoin de soleil, certainement il pourra la réussite. La réussite trouve dans le salat. Et le succès, ça veut dire pour gagner succès, réussite, ça veut dire passer l'examen, qui a l'air à Boulamin, puis on va aller pour faire le dunya. Mais si ce salat finit en mauvais état, si ce salat pas si bon, il a beaucoup d'absence, ou bien façon qu'il fait, il pas trop bon, alors certainement, il est pour déçu, et il est pour dans la perte. Ça veut dire, il est pour faire sur l'examen, qu'Allah souvent en ta fin, on va aller pour faire. Et comme un dernier, si rappelle, ça c'est là, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, إِنَّ الْعَهْدَ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمَ الصَّلَاةَ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ. L'engagement qui est là entre nous et Banla. Banla, la paix, peut faire référence à Ban Kafir, ça. La différence qui est là entre nous avec Ban Kafir. Qui soit qui sépare nous, là? Qui fait la différence entre nous et Ban Kafir? Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est salat. Salat qui différencie nous. Alors, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, pour plus faire nous comprendre, direct, lui dire, c'est lui qui quitte lui. C'est lui qui quitte salat. Les fins faire coufre. Les fins faire coufre. Là, nous pouvons faire courbani, là. Parfois, il y a du monde, je délègue n'importe qui sera pour faire courbani pour eux. Vous connaissez combien de facteurs, ben, normalement, fin donner. C'est lui qui pas faire salat, faire courbani, pas gagner vraiment sur ça. C'est lui qui pas faire namaz, du tout. De faire courbani sur sa bar, haram, pas qu'il aimera manger. Plusieurs facteurs, il y en a là. Pour montrer au qui conseille les graves. Mais j'ai dit, un du monde qui t'a mal, normal. Rien n'était. Comme si, sur la vie convaincue, une fois, il part, gagne la guerre du monde, une fois, il fait, il pas une volée, il pas drogué, machin, là, bon, un bon gars, sur sa bon, tu fais ça. N'a mal fait, il y en a de la vie, bon. Mais dans parole Allah subhanahu wa ta'ala, et parole Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, nous trouve qu'il n'est pas bon du tout. Alors, il arrive là pour nous donne valer sa grande ibadat qu'a fait le salat, là. L'autre, tout van ibadat. À cause même qui, si vous êtes là pour faire un choix dans l'air qui a besoin du bout pour faire salat avec les autres, ibadat, lesquels, qui gagne priorité, c'est normal. Namaz, vous êtes qui tout ça, qui, vous pouvez faire courbani. Alhamdulillah, grand ibadat, mais azan donné. Vous continuez une coupe la viande. Azan donné qui tout. Vint à salat. C'est comme ça qu'il va nous savoir, il doit nous l'aller. Alors, je te lève avec ce disant. Je t'y fais un namaz. Pour montrer qui, ça, il est propre, et capable de faire un namaz, et pour montrer comment nous dîner, c'est un dîner qui passe. Oui, si vous avez la facilité, pour aller changer, vous venez plus meilleur. Mais, pas d'une priorité, les autres ibadat, l'enquête. L'autre ibadat, qu'a fait le salat, qu'Allah Rabbul Alamin, l'aide-nous tout, pour qu'il nous régulier dans le salat. Qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala, il fait nous. Prend compte, l'obligation des salats, 5 fois par jour, l'eau, et il fait nous faire une salat, comme Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, puis l'enseigner, à qu'on le hada, wa astaghfirullah, li wa lakum. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله رسول صلى الله عليه وسلم نجي بأن أيام التشريق سي 11, 12 et 13 ذو الهجة سي بان جو كي نو مانزي نو بوا اي نو فيا ذكر الله بازالو سحاديثا Al-Hafidh ibn Hajar, rahimahullah,
lisez dans sa hadith, hein, la parole du Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, manjou, détaché, c'est manjou qui nous mange, nous boit et nous fait dire qu'Allah, et n'a une indication claire qui nous mange dans un manjou là, nous boit dans ce manjou là, et nous cesse avec Allah Rabbul Amin à travers ça pour qu'il nous fait dire qu'Allah. Indirectement, ben, travers qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait à nous, ça va travers là, Allah donne nous, pour aider nous, pour nous faire ibadat Allah. C'est-à-dire, on ne prend pas la courbani, manger bon, gagne la force, pour qu'il fait, pour faire ibadat. Quand on mange, après on dormit. Après, les fajars, on dormit, on va venir namaz. Non, au contraire. Quand on gagne, pour manger bon, ça va nous là, on peut plus faire ibadat. À cause même qui, on reste remercié à Allah, comment on nous connaît, prend depuis les premiers de l'Hijja, vini même jusqu'à les 13 de l'Hijja. Parmi les sunnah, c'est nous faire beaucoup takbir. Nous faire beaucoup takbir pour proclamer, grandir Allah subhanahu wa ta'ala. Et surtout, basant le parole de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, ça trois jours là, puis un grand grand ibadat pour faire. Puis un grand dosa, pas qu'un grand dosa. C'est pas si c'est un jour qui nous mangeait bon. Mais seulement, nous faisons faire beaucoup d'ikrullah. Nous faisons faire beaucoup de tasvi. Et puis, il y a d'autres qui, parmi les dhikrullah, qui nous fait beaucoup, parmi ces jours-là, c'est nous faire takbir beaucoup. Nous faire takbir beaucoup. Et nous takbir, ou bien takbir qui va en sahaba, ridwanullah alayhim, je fais une prononcée, c'est Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallahu, Allahu Akbar. Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. Sa takbir-là, les sunnahs, prend depuis les premiers, vini même, ou fait aller de temps à autre. Et prend depuis 9e Dhul Hijjah, Yawm Arafah, allez même jusqu'à qui Ayyam Tashrik terminé. Après Ban Salat, après qu'il finit faire, certains Ban Askar qui est attaché avec Salat, lui recommandait pour ou faire lui même dans la zine à haute voix. Mais c'est moi, nous pouvons faire lui en Jamal, mais chacun fait lui à haute voix. Si, quand on a Bézir, le temps Bézir, ça, la voilà, lui coïncide, pas un problème. Mais attendre quand l'imam bouge, là, je bouge pas derrière, ça, il passe une non. Ça, jamais ici, c'est une non. Chacun fait individuellement. Mais c'est moi, pas comment l'imam va, salam alaykoum adoula, salam alaykoum adoula, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ça non. Ça, partie d'un principe, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ou bien, man sahaba. Ce principe, comment on finit par salam alaykoum adoula, salam alaykoum adoula, pareil, comme tout namah, ou bien, astaghfirullah, 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 Allah man tassalam, après, il est là. Ou quand on dit Allahu Akbar, Allahu Akbar, ou bien au café, au coban, les autres d'Akbar, après on dit Allahu Akbar, Allahu Akbar, et au peine pour attendre quand elle, si on a commencé aussi les autres, non, quand arrive ou tout, ou quand on fait cette nouvelle d'Akbar, les là, on fait lui, et les sunnahs, pour les la voir, et faire lui. Ou bien répéter ça, il fait juste un seul coup fini, ouais, quoi, fini faire ta vie pour ça, là, pour une année, là, non. Ou faire lui, deux, trois fois, peine aucune quantité, limitée. Quand j'ai offert 3, quand j'ai offert 5, quand j'ai offert 7, mais vous faites comme vous avez envie. Vous avez fait 10, vous avez fait 20, vous faites comme vous avez envie. C'est juste pour aider, pour proclamer, grandir Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ce qui est plus important, d'en faire, ban askar. Askar, c'est pas, ban parole juste prononcée, et pas fait comprendre, pas fait concentrer. Dis pas, on dit, Allahu Akbar, subhanallah, peut-être pas, si peut-être pas là-bas, peut-être pas, on va faire toujours, Allah, Akbar, subhanallah, 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 et dans une seconde, parfois, il prend ta vie, cela, mais peut pas toujours, il peut faire les autres travaux. Non, ça, c'est pas zikrullah. Zikrullah, ce qu'on fait, c'est au besoin de concentrer. Même après salat. Tous les jours, qu'on fait, ben, azkar. Ou bien, dire subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, ou bien Allah, Akbar, n'importe qui va azkar, qu'on veut dire, ou besoin qu'on peut dire, derrière le coup la bouche, où les pieds peuvent comprendre, peuvent présent, et on peut concentrer dans ce qu'on veut dire. Les là qui vous trouvent à ce faire se lever là-haut. Si vous juste réfléchissez, même on peut passer quand c'était l'équipe de la mer, ou juste faire à ce qu'on après cela, Allah Rabbul Amin, pour pardonner, moi, pour tout ça, on peut passer là, même on fait, subhanallah, 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 alhamdulillah, comme ça, on peut pardonner Allah. Non. Quand on peut dire subhanallah, et on peut concentrer dans sa parole-là. Quand on peut dire subhanallah, qu'est-ce que subhanallah? Allah, il sans défaut, il n'y a aucun manquement. Dans tout ce qu'il fait, dans toutes ses qualités. Alhamdulillah, tout louange pour Allah, Rabbul Amin.
C'est-à-dire, vous pouvez montrer vos remerciements pour Allah. Vous m'avez dit, vous m'avez parlé Allah, vous dites, Alhamdulillah. Quand vous dites, la ilaha illallah, vous pouvez ressentir qu'il vous fait ibadat 10 fois Allah. Dans tout bon moment difficile, vous pouvez tourner 10 fois Allah. Et quand vous dites, Allahu Akbar, Allah plus grand. Alors, vous concentrez, vous mettez Allah, Rabbul Alamin, plus grand, et vous m'avez un petit peu l'implication de ces paroles-là, quand vous dites, Allahu Akbar. Qui veut dire ça? Quand Allah donne nous l'autre, ou pas faire après Allahu Akbar, hein, combien de monde, on vous trouve, ça une vie, une routine, juste, ben, surtout quand on a une période, quand on a une manifestation, tout ça, maman, ben, c'est ça, ben, drogue, tu n'es pas ta sentie affaire, l'autre chose, hein, l'autre de la bouche, prends un petit pari, on se va guider, t'as mis Allahu Akbar, parce qu'on m'a dit, t'as un donné, tu dis, t'as mis Allahu Akbar, il y a la chance de donner Allahu Akbar, tu vas venir, ça s'appelle, fait d'une vallée, Allahu Akbar, ça. Allahu Akbar, quand on peut dire, ou bien, donne à Allah subhanahu wa ta'ala ce droit qu'il méritait. Si vous prenez, vous croyez dans Allahu Akbar, Allah invite où va venir? Et la plus grande invitation, qui est invitation à Allah, Rabbul Alamin, Allahu Akbar. Et comme ça, n'importe qui d'autre qu'Allah donne nous. Ce l'autre passe autour. Son empêchement nous a plié dans la prière pour lui. Alors, quand nous étudions cette parole-là, cette signification, nous méditer là, là, où vous trouvez quand vous faites un samanat qu'Allah, où vous ressentez comment vous pouvez rapprocher avec Allah, et où vous trouvez ce l'effet là où la vie. Où vous trouvez comment vous gagnez l'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala plus, comment vous la prière pour Allah rabbul alamin augmenter, et comment lui faire ou ban ibadat, l'une ban ibadat qui n'a plus valeur, qu'Allah rabbul alamin y aide nous tous, pour qu'il nous fasse ce ban askar, comment bizarre. Qu'Allah Rabbul Alamin il fait nous comprendre sa même parole là bien. Et quand nous fait lire comme un bon ibadat qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepté de nous. Et qui nous met en application tout ce même implication qui lui méritait. Qu'Allah Rabbul Alamin lui pardonne nous pour tout ban manquement, ban erreur, ban péché qui nous capable faire dans la vie. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala toujours aide nous pour qu'il nous fasse ban action qui amène nous vers ce jannat et il récompense nous par jannat. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait nous restreint depuis ma action qui amène vers différents enfers et lui protège nous depuis différents enfers et qu'Allah rabbul alamin lui réfère nous joindre avec sa main meilleur jour de l'année encore beaucoup fois dans nous la vie. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.